Je suis arrivé, ça s'est très très bien passé. J'ai eu un accueil de tout le groupe qui était vraiment très bon. Voilà, le staff technique aussi. J'ai tout pour bien m'intégrer et m'intégrer le plus vite possible. Et c'est ça le plus important. Donc, je suis très content. J'ai eu un discours du coach qui m'a plu. Et voilà, tout de suite, le projet m'a intéressé. Et mon choix s'est dirigé tout de suite vers Troyes. Rester à Nice, c'était un choix que je pouvais prendre. Maintenant, voilà, je pense que le plus important, à mon âge en tout cas, c'est de jouer un maximum, de préférence à son poste. Et en l'occurrence, c'est pas ce que j'avais en tout cas à Nice. Le discours du coach à Nice me plaisait aussi. Mais bon, j'avais envie de changement et le plus rapidement possible, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Comme tout le monde le sait, je suis un joueur de ballon. Je pense que la philosophie de jeu que le coach a mis en place, c'est la bonne pour moi. J'aime voilà, le jeu court, le mouvement. Je suis un joueur qui est assez mobile. Et voilà, apporter un maximum, être le plus décisif possible, parce que de nos jours dans le foot, c'est très important pour un milieu d'avoir des stats. Et voilà, je vais tout donner pour l'objectif du vestiaire cette saison. Si on fait ce métier, c'est pour vivre des expériences et voilà, le maintien comme une montée, c'est des expériences à vivre et on est prêt à ça. Tristan s'est blessé au mois de fin novembre et c'est vrai que tout de suite on a eu avec Louis et le président, on n'a pas attendu pour avoir de la réflexion. Et comme je vous avais dit, ce n'était pas des mots pour des mots, c'était « on prendra ». Si on trouve le joueur qui correspond à ce que l'on recherche. Et pour remplacer Tristan, il n'y en avait pas 50 en France. Et Rémi, qui est quelqu'un que j'ai suivi, correspondait carrément à ce type de joueur. Et là, on a tout de suite senti quelqu'un qui pouvait être emballé par notre projet, qui était très motivé à l'idée de nous rejoindre. Et aujourd'hui, il est là et on est très heureux qu'il soit là. Il était sur le banc à Monaco avec Nice, c'est un joueur en pleine forme. Voilà. Moi, je voudrais relever quand même ses propos. Pour un joueur de 22 ans, on sent beaucoup de maturité, des propos pleins de bon sens, de discernement. Parce que là aussi, au-delà de sa qualité de joueur, vous le savez que chez nous, chez le président Mazzoni, chez Louis et moi, il y a des critères qui sont indispensables, c'est les critères humains. L'intelligence du mec, sa vision d'un groupe, sa vision du collectif, quelqu'un qui est capable d'avoir de l'analyse. Bon, un joueur de 22 ans, il sait exactement ce qu'il veut, où il veut aller, il ne se projette pas plus loin que les 6 mois là, il ne tire pas de plante sur la comète, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est d'être performant sur le terrain. J'ai vraiment le sentiment qu'on partage les mêmes valeurs au club et dans le groupe, on partage les mêmes valeurs que Rémi, et ça c'est très très important.